Salut tout le monde, c'est The Wotan, bienvenue dans ce nouvel épisode du Playthrough de Erk's Adventure. Alors, au programme aujourd'hui, il faut qu'on aille à Athènes, rendre visite à Athéna, bah, pour récupérer notre récompense. Hein. Elle nous a demandé d'aller casser la figure à un boss, c'est chose faite. Maintenant, il faut qu'elle passe à la caisse. Hein. Ok. Hop. Oh, ça c'est une saloperie ça. Donc certainement, elle va certainement nous donner une clé. Pour ne pas changer. Mais bon, voilà, la clé va nous permettre d'avancer le jeu. Hein, donc on va pas s'en plaindre. Allez hop, c'est parti. On met les voiles. C'est go, 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 go. Ok, donc c'est juste ici. Tac. On va essayer de profiter un max de la tête de Méduse parce que je sens que du coup elle va nous la retirer. Ce serait trop beau de la garder jusqu'à la fin. Ah ouais, franchement c'est vraiment une super arme en plus. C'est une bête d'arme. Mais bon. Toutes les bonnes choses ont une fin. Hop. Ah c'est vraiment bien. Je m'y étais habitué hein. Alors, on y va. Tac. Je vois des pizzas. Ouais, c'était par ici. Hop. Tu es déjà là, j'aurais dû te demander davantage, cela m'apprendra. Bon, prends ta clé et le large en même temps. J'ai une soirée sur le mont Olympe et je dois me faire une petite beauté. Ok, bah écoute, bonne soirée, hein, amuse-toi bien. Je récupère la clé et puis on met les voiles. Hein. Alors, un petit coup de map quand même. Du coup, maintenant, il faut qu'on aille voir Dionysos. Donc c'est parti, on va repartir de là. Non, faut pas que je descende ici. Donc le prochain dieu sur la liste. Hey, hey. Laissez-moi passer. Hey, hey. Oh là, ils sont chiants, ils sont chiants, ils sont chiants. Je crois que... Il n'y a pas un panneau ici derrière. Arrête de parler. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça. Comme ça, ça me permet de confirmer qu'on est dans la bonne direction. Ah. On a de la visite en chemin. Et il a réussi à m'avoir, cette saleté. Prends ça, prends ça. Allez, allez, allez. À force de t'en prendre autant dans les boules, c'est pas possible. Tu vas bien finir par t'écrouler. Ah, j'ai pas été assez rapide. Tant pis. Prends ça, prends ça. Ils sont chiants, ces ennemis, quand même. Ils sont super chiants, quoi. Ah, là, là, là. Voilà, allez, hop. Trop casse-bonbon. On va devoir faire son frère. Oh là 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 là. En plus les petites plaques marron foncées, c'est un espèce de marais qui ralentit énormément les mouvements. Allez, allez, tu vas y passer. Non. Non. Alors toi, on va voir qui c'est qui va prendre qui parce que tu commences à me gonfler mon gars. Hey.
Oh là là, laisse. Voilà. Pouf. Ils sont chiants, eux. Ah bah tiens, rebelote. C'est pas fini. On va y aller à la lance. Il s'est barré. Oh là là, il est chiant. Voilà. Alors attends, parce que pendant ce temps-là, toi, je vais t'apprendre le respect. Je t'apprends le respect juste après. Laisse-moi me relever, tu vas voir. Voilà. Allez, coucher. Oh là 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 là. Il va falloir que je me refasse un stock de guérison un jour aussi, hein, parce que j'ai pas énormément de cornets là. Voilà. Le petit item, il est pour moi, in the pocket. Et on continue. Parfait, donc voilà, donc bah forcément, hein, la clé qu'on a récupérée, c'était pour ici. Alors toi... Viens par ici. Viens. Ah, là je suis tombé. Eh tiens, je te balance des poubelles sur la gueule, moi. Voilà, je suis comme ça. Trop long, trop long, trop long, trop long, trop long, trop long. Voilà. Ah, il a la bougeotte, hein. Il a la bougeotte. Allez, tu vas crever, ouais. Oh. Ok, donc le petit symbole là, le petit son qui me donne le feu vert pour aller récupérer ma petite récompense. Hey. Allez, nage, nage, nage. Tu vas y arriver. Voilà, fini de faire trempette. On se barre. Alors, hop. Ah, c'est un peu chiant quoi, juste pour avoir la petite récompense là, on est obligé de refaire tout ce passage. Mais bon, c'est pas grave. Ah là là, non. Putain. Sans déconner quoi. Je sais pas si la récompense va être rentable, hein, vu tout ce que je dois refaire et vu les items que je crame là. J'en suis pas convaincu quand même. Hein. Surtout que pour les éviter, c'est niette. Et bien vu. Ah, je sens que ça va être juste pour une petite pièce d'or de merde. J'aurais galéré pour que dalle en fait. Fais-toi plaisir, allez, vas-y, je te dirai rien. Oh, il me laisse pas passer, c'est mort. Voilà. Ah, par contre, les deux autres, on va pas les faire hein, s'ils réapparaissent. Ouais, non, c'est bon. J'ai donné. Ah, ok, super. Ouais, bon, écoute, hein. Ah oui, en plus, c'est un G, donc c'est gold. Ok, j'ai compris. Bah, on va pas se galérer plus longtemps avec l'autre saloperie. Juste pour avoir une pièce d'or, c'est bon, quoi. J'ai donné. Et puis, bah, voilà, hein, dans cette petite ambiance... avec les petites vignes, etc., on va aller voir notre copain Dionysos, en espérant qu'il nous paye un verre, quand même, parce qu'on a fait tout ce chemin. Œuf vert à 6 pièces d'or. Non, j'ai pas trop envie... Wow. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Ouf. Oh,
j'ai une montagne de muscles devant moi. Ouf. J'espérais secrètement que tu m'oublies, parce que les sauveurs d'humanité de ton genre monopolisent l'attention lors des soirées. Vos exploits d'enquêteurs, de tueurs et d'anéantisseurs de monstres passionnent le public à n'en pas douter. Ce genre de travail est trop sérieux pour moi, qui suis un grand jouisseur de la vie, bien. Avant que je t'aide à vaincre l'infernal dieu des ténèbres, tu vas devoir me ramener quelques nouveaux cèpes de vigne, dont je compte tirer un grand millésime. Le raisin dont je te parle pousse dans le domaine de la monstrueuse hydre multitête, quelque part à Lernia. Bien, va tuer l'hydre, mon petit. Rapporte-moi de nombreux cèpes et tu auras accompli un nouvel exploit que tu pourras compter leur maïs à répondre et qui gérera le passage de manuscrits pour les générations. Oh, le petit bug bande-son, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit à la fin là. Bon. Ah. Tu commences à m'agacer très sérieusement. Crois-tu vraiment pouvoir réussir là où tous les autres foudres de guerre de ce cher Zeus sont échoués? Ok, merci. Nouvel objectif, aller récupérer un objet pour notre ami Dionysos. Et pour cela, il va falloir battre l'hydre. Alors, si on fait un petit coup de map, il faut retourner. L'hydre, elle est là, donc il faut retourner au tout début du jeu. Ok, ok. Ça marche. Bon, bah voilà. Hein. Les squelettes, on va les nettoyer parce que Hades, il a cru que ça allait suffire pour nous arrêter. Allez hop, on nettoie. On va tous se les faire, ils vont rien me rapporter de toute manière. On va les fouiller ici avant. Et donc du coup, alors pour battre l'hydre, qui est plus au sud, quasiment en fait vraiment collé au début du jeu. Il faut repasser du coup, il faut retourner sur l'île de Crète afin de récupérer un objet spécifique qui sont des allumettes qui font une attaque de feu. Keep out! Un frigo, normal. Une vache gonflable, non merci. Un gamin, j'en veux pas non plus, mais tant pis. Hadès cache parfois des choses ici. Ouais, bah écoute, ça y est, hein, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Donc je disais, voilà, il faut qu'on aille récupérer un item spécifique qui est sur l'île de Crète. Bon, toujours est-il que, de toute manière, l'hydre se situe au tout début du jeu, donc quasiment à côté de l'endroit où on avait battu le sanglier, le premier sanglier. Donc en même temps, j'en profiterai d'ailleurs pour me refaire un stock en passant, vu qu'il faut que je passe par Hélice et Sparte, je vais me refaire un stock de lances et de cornets de guérison. Histoire d'être un peu plus... je sais ce qu'on va faire, on va pas s'amuser à venir ici, on va faire le tour. Voilà, donc histoire d'être un petit peu plus large quand même au niveau des prochains boss, avoir un certain stock de vie, sinon ça va être galère, et puis bon, au bout d'un moment, voilà quoi. On va pas non plus s'amuser à être en mode survie avec deux cornets de guérison, ou voire moins. On l'a déjà fait pendant toute une partie du jeu, donc c'est bon là, j'ai donné, hein. Allez, nage, 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 nage. Alors, je vais refaire un petit coup de map vite fait, voilà. Donc, il faut que j'arrive à retourner. Donc, l'hydre est par ici. Il faut réussir à retourner, voilà, il faut, faut retourner sur l'île de Crète, là où il y a le petit feu, c'est à cet endroit-là qu'on peut avoir l'item spécifique. Donc en fait, il faut que je fasse le tour par la gauche, prendre le bateau au niveau de Sparte, et une fois sur l'île de Crète, une fois que j'ai récupéré les objets, je n'aurai plus qu'à remonter ici, et puis le chemin me fera tomber après sur la partie où il y a l'hydre, de manière très simple. Donc bah voilà le programme. Et puis bah de toute manière, une fois que... Bah lui va me faire chier. Une fois que l'hydre sera battu, on va se rapprocher... on va se rapprocher de notre pote Hadès. Ah, il va pas me laisser passer lui. Hein.
Donc on va pouvoir se rapprocher de notre copain Hadès. Et enfin aller battre le dernier boss et sauver l'Olympe grâce à notre musculature. Ah oui, Hercule. Ok, c'est fait, c'est nettoyé, c'est plié, c'est rangé. Ok, bon, on est plutôt bien quand même, on a quand même bien avancé. La petite abeille, non merci. Alors toi, je vais t'apprendre le respect direct. Voilà. Couché, sale bête, merci, au revoir. Ensuite, tiens, la petite pièce, on récupère la pièce 7. Toujours plus de pièces, toujours plus. Toujours plus. Voilà. Je suis un peu perdu. Non, 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 il faut aller par ici. Alors c'est pas très loin, mais c'est vrai que voilà, c'est des objets, c'est des endroits qu'on a déjà fait, donc c'est ça qui est chiant. Je regarde. Donc c'est des endroits qu'on a déjà fait, donc c'est ça qui est un peu lourd, mais c'est assez rapide à y retourner de toute manière. Allez, cours, Hercule. Ok. Alors, où est-ce qu'il va m'emmener lui, cette catapulte? Je ne sais plus d'ailleurs. Ah, je ne sais plus, merde. Ok. On se barre. Voilà. Allez, cours, cours, Hercule. Hop, voilà, on revient ici. Donc, on retourne là. Allez, avance, 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 avance. Bah du coup, non, il y a un petit sous-sail. C'est pas par ici qu'il faut que j'aille. Ouais, exact, ça y est, je viens de tilter, c'est en arrière. Ah, c'est chiant quand il faut retourner sur les endroits du début du jeu, comme ça, où on n'y est pas allé depuis longtemps, c'est très emmerdant. Et surtout qu'il y a des petits chemins un peu partout. Ah voilà, c'est par ici. Allez hop. Voilà, nickel. On est dans la zone où on a battu le sanglier. Allez hop, on se dépêche de se barrer. Et là c'est l'hydre qui est juste ici, juste en dessous. Je revois la map. D'accord. Alors, pour info, c'est bien ça. Je revérifie la map en même temps parce que l'air de rien, c'est pas forcément très simple. Donc juste ici, on a l'endroit qui nous permet d'aller battre l'hydre. On va pas aller le faire tout de suite. Mais en tout cas, voilà, on est passé juste à côté. Donc du coup, il faudra qu'on revienne ici pour pouvoir la battre. Ah, attends, l'objet, je vais récupérer quand même, hein.
ne vais pas la laisser passer. Allez, cours, Hercule, cours. Ah là là, du coup, comme le boss l'est déjà battu, là, tous les buissons ne sont plus cassés. Ça me faisait des raccourcis sympas. Voilà, parfait. Allez, on y est presque. Et comme ça, bah c'est parfait. On va pouvoir se quitter du coup à la ville d'Hélice. On va pouvoir se quitter à la ville d'Hélice. Et du coup, entre les deux épisodes, ça me permettra d'en profiter afin de me refaire un stock d'objets et d'aller taper de l'ennemi un petit peu à droite à gauche. Ce qui sera une très bonne chose. Un cul-de-sac forcément, sinon ce serait pas drôle. Allez, on va pas faire joujou avec eux là. Ah dommage, il réapparaît pas l'éclair de Zeus, parce que ça aurait pu être pas mal hein. Allez hop, trace. Allez, cours. Ok, on n'est pas trop mal là. Alors, on va récupérer les bombes. Ok, très bien. On va nettoyer la poiscaille. Ils veulent pas venir. Bam. Ah, ils sont chiants à l'infini ces trucs là. Allez bim, j'ai pas beaucoup de chemin à faire, on y va. Ah, il y en a encore pas mal derrière hein, quand même hein. Voilà. Voilà, restez sur le bord là. Allez, viens, parce qu'il s'en va trop loin à chaque fois là. Ah, ton pote il veut pas venir hein. Allez hop, on y va. Deuxième tentative. Allez, laisse-moi, merci, au revoir. Sont trop chiants. Le chemin ici est fait. Là, il est pas fait. Ah là 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 là. Allez, tu vas la voir. Allez. C'est pas assez efficace. Ça non plus, c'est trop chiant. Ça, je préfère le garder pour l'instant quand même. Ça aussi. Allez hop, on va y aller à la lance. Voilà, parfait. Allez hop. On redécolle, direction Hélice. Oui, c'est exactement là où je veux aller. Merci, au revoir. Parfait les amis, on est arrivé à Hélice. Bon, allez hop, mets-toi ici, voilà, parfait. Ce qu'on va faire, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Entre les deux épisodes, celui-ci et le prochain, je vais aller un petit peu
dropper des lances, donc quelque chose de très chiant effectivement, dropper des lances, ramasser un peu les objets qui vont réapparaître à droite à gauche afin de me faire un bon stock de vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pouce-vérisation de l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes actualités et puis bah, pour aller faire un tour sur les autres WT et autres playthroughs. Je vous dis à très bientôt, merci, salut tout le monde, ciao ciao!